Ce soir, les Crows. Alors, le jeu est très court. Il est censé faire une demi-heure. Après, vous me connaissez, hein, comme d'hab. Toshi, à chaque fois, il prend son temps quand il joue. Les jeux qui durent 30 minutes, lui, il lui faut 3 heures. C'est vrai. Donc, au final, peut-être qu'on en aura jusqu'à 23 heures. Mais logiquement, c'est un jeu qui dure 30 minutes. Donc, un jeu assez court. On incarne. Alors, c'est un indie horror game, les Crows. Hein. C'est pas un gros jeu, mais c'est quand même un jeu à faire. Du coup, on incarne un flic, les Crows. On incarne un flic. Il y a eu un accident de voiture dans la forêt en pleine nuit. Voilà, on est appelé inspecteur Toshi. On a un accident de voiture. Il y a plein de sang par terre. Les corps sont pas là. On sait pas ce qui se passe. On pense que c'est une bête sauvage. Et du coup, j'arrive sur les lieux du crime. Et le jeu commence comme ça. Donc, il va falloir enquêter sur un potentiel meurtre de on ne sait quoi. Voilà. On y va ? Vous êtes prêts ? C'est parti ? Oh, je conduis ! Alors, attendez. Oula. Je vais augmenter le son. Est-ce que le son, c'est bon ? Vous avez bien le son du jeu, là ? Ah, je conduis carrément ! Ok. Alors, attends. Est-ce que je peux sortir ? You need to slow car. Oh, je peux sortir ? Oh, génial. On a une voiture de flic. En même temps, on est flic. C'est logique. Oh, c'est trop bien. On peut aller où on veut. Oh, c'est génial. Ok, j'aime déjà le jeu. J'aime déjà. Il y a une petite ambiance, hein. Nickel pour le son. Oui, c'est correct. Ok, c'est fluide, ça va. Pas de problème. RS. Putain, ça a l'air pas mal. Alors, attendez. On va retourner dedans. Parce qu'on est toujours mieux dedans que dehors. Ok, alors on a un PC, fais voir un peu. Wow. RS, RS. Alors, briefing de Nathan. Salut. Il y a quelques heures, nous avons reçu un appel anonyme de quelqu'un qui a reporté quelque chose d'une voiture abandonnée avec beaucoup de sang à côté. Tu sais ce que ça veut dire. Il faut que t'ailles investiguer la scène de crime. Et une fois que t'es arrivé, parle aux gens et demande-leur ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont vu des trucs bizarres Ok, et si tu trouves le mimique, il faut que tu le neutralises avec ton flingue. Les mimiques sont de dangereux prédateurs. C'est quoi un mimique, les Crows? Et là, on a la map. Ok, on a une map. C'est quoi des mimiques? Bon, on va essayer de bien conduire. Et c'est parti. Zébardi! Oula, c'est ici? I should investigate the crime scene. Ah, je crois que c'est là. Attendez, on va se garer. Je me gare, j'arrive. Ça doit être mon collègue, non? Hop. Ah, c'est marrant, ils ont même fait le bruit de la ceinture. Quand tu déboucles ta ceinture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bonsoir. C'est ici la scène de crime? Ah oui, effectivement. Effectivement. Alors, il y a une trace de pas très très grande. Ah oui, là. Ah putain, effectivement. Elle est énorme. Oh, il y a une voiture qui arrive. Ok. On inspecte les preuves. Ok, donc là il y a une cigarette, là il y a un sac. Rien n'a été volé, d'accord. Donc il n'y a pas de volage. Alors attends. Beaucoup de sang. Ok, alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a du sang à l'extérieur, mais rien à l'intérieur. Bon, on va parler aux collègues. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Une voiture abandonnée, une mare de sang et aucun corps.
mimique égale imiter. Un mimique, c'est une personne ou potentiellement une entité qui prend l'apparence jusqu'au moindre détail de la personne afin de se camoufler. What? Je crois que c'est un prédateur camouflé. Ah ouais, donc ça pourrait être le flic là. Là on pourrait parler au mimique du coup. Ah faut qu'on fasse gaffe hein. Tu vois Toshi, le mimique pourrait être ton collègue le flic sans que tu le saches. Ok, on va se méfier les choses. Alors. Ok. Et donc il n'y a rien qui a été volé. Donc probablement un mimique qui a fait ça. Ouais, je pense que c'est évident. La voiture était en train de fumer quand je suis arrivé. Ah, ok, en fait la victime a dû s'arrêter sur le bord de la route parce que son moteur il était endommagé. La voiture était en train de fumer. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Ok. La victime a appelé l'assistance de route. Alors qu'un mimique était caché dans les buissons, dans la forêt. Ce mimique a l'air vraiment énorme parce que les traces de pas sont gigantesques devant la voiture. Ok, ouais, on l'a vu ça. Elle n'a pas eu de chance. Quel âge avait la victime? 37 ans. Est-ce que la zone présente des activités de mimique? Non, pas du tout. Mais on pense que leur territoire s'agrandit, ok? Ok, on pense qu'il y a un mimique dans les bois pas loin. Ok, on va prendre l'affaire en charge, c'est pour ça que je suis ici. On va essayer de le neutraliser. Je vais conduire autour de la zone et demander aux gens s'ils ont vu quelque chose de suspect. Ça me paraît pas mal comme plan. Tu as une map dans la voiture, oui. See you back at the station. Ok. Stay safe. Ok, c'est bon. Bon, on a toutes les infos. Par contre, j'ai pas de flingue. Je peux pas me défendre. Je peux pas me défendre. Alors du coup, attendez, je vous lis. Par exemple, quand les caméléons se camouflent, c'est une forme... Le mimétique. Putain, j'apprends un truc, les crocs, j'étais pas du tout au courant de ça. Hein. Le mimique ne prend pas que l'apparence de la personne dans les moindres détails, mais elle peut aussi prendre sa voix et bien d'autres choses. Mais ça existe pas dans la réalité, ça. Attendez, parce que là, je suis perplexe. C'est une légende urbaine, c'est comme les vampires et les loups-garous. On est d'accord, hein? Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. Ah oui, le Wizbot, il est pas à jour. Faut pas faire gaffe, les crozes. Ah, j'espère que ça n'existe pas dans la vraie vie. Bon, on va reprendre notre caisse. Merde, c'est pas celle-là. Let's go. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se cache autour. Essayer d'enquêter les crozes. En tout cas, ça met dans l'ambiance directe. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est une station essence? Vas-y. Il y a peut-être quelqu'un dedans. Ouais, il y a quelqu'un, les crozes. Il y a le vendeur. Le caméléon se camoufle pour se protéger. Le mimétisme
existent d'une certaine manière comme les pieuvres mimétiques ou les araignées mimétiques. D'accord. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Il y a eu une attaque de mimique juste à côté de la route. Ah, putain, c'est mauvais pour le business, ça. Est-ce que vous savez quelque chose qui pourrait m'aider pour mes recherches? Je n'ai rien vu de spécial. Tout va bien. Vraiment, rien du tout? Non, la seule chose que je sais, c'est que vous devriez être très prudent. Ils sont très... Okay, ils sont extrêmement bons pour se prétendre humains. Ah, c'est intéressant, ça. Et ils sont plus dangereux que jamais. Les gens disent qu'ils évoluent et apprennent des humains. Merci, mais ces informations, on les connaît déjà. Ok, pas de soucis, merci. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose? Non. Merci, au revoir. Eh, je me suis amélioré en anglais, les crousins. On est pas mal, hein, en traduction, là. Ah, j'ai une petite faim, quand même. Putain, je me serais bien pris un... Je sais pas. Bah, attends, il y a que des boissons, c'est quoi ce bordel? Elle est où, la bouffe? Ah, là. Fibres céréales. Dans Supernatural, ils appellent ça les métamorphes. Ah oui, c'est vrai que dans Supernatural, il y en a. Effectivement. Bon, les creuses RAS dans cette... dans cette truc. On va essayer de continuer, du coup. Ces animaux imitent un ou plusieurs espèces. Par exemple, la pieuvre peut imiter les serpents. Ah ouais? Intéressant. Je vais où, moi? Attendez, non, mais j'étais bien là. Pourquoi j'ai fait demi-tour? Je suis trop con. Ok, go. On continue. Putain, je roule à l'envers. Je roule à l'envers carrément. Sympa, hein. Ah, je peux éteindre les phares, ok. Oula. Beaucoup plus sombre, hein. Bon, si vous voyez un mimique, vous le dites, hein. Venez, on se regroupe tous pour les voir. Voir quoi? Oula. C'est quoi ça? Un camping? Police. Bonsoir. Monsieur. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention. Bonsoir, mademoiselle. Je ne parle pas aux flics. Je veux juste vous poser quelques questions. Comme je vous l'ai dit, je ne parle pas aux flics. Elle est chiante, celle-là. Ah, elle veut vraiment pas me parler. Bon, et toi? Ah, qu'est-ce que tu veux, putain? Il est violent, lui. Calmez-vous, je veux juste vous poser quelques questions. Les gens n'aiment pas les flics ici. Faites vite. Je suis là pour une investigation, un mimique, blablabla, on a trouvé un mimique, nanana. Putain, c'est là où j'ai acheté ma bière. Est-ce que vous savez quelque chose qui pourrait m'être utile? Non. Je bois toute la journée.
Ah, les Supernatural, ok. Les gens ici ne croient pas à ça. Ils disent que les gouvernements les utilisent. Ah ok, c'est des espèces de complotistes, c'est ça ? Pour garder la population... Le mec, il est complètement complotiste. Est-ce que vous avez vu quelque chose ces derniers jours ? Non, non, rien du tout. Tout est comme d'habitude. Essayez votre chance autre part, flic. Good night. Ok. Donc eux non plus, ils ont rien vu. C'est intéressant. Du coup, eux, ils ont rien vu. Et le gars de la station-service n'a rien vu non plus. Ok. Très très bien. Coucou Romy! Comment ça va? C'était le monde, c'est Toshi. J'avais pas vu que tu étais en live. Mais Romy, tu sais qu'on a... Bah du coup, tu viens d'arriver. Attends, je te la mets dans le chat, regarde. Pour ne plus rien louper de mes lives, extension Chrome gratuite. Dès que je live, t'as une notif. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est Dieu qui donne. Merci pour l'abonnement, c'est gentil, merci. Ça va? Bon, et bah écoutez, Cross, on n'aura rien appris ici. On continue. Je sais pas pour ce jeu, mais on peut repérer les mimiques par leur personnalité sans profondeur et leur mémoire et souvenirs. Ah oui, genre ils sont un peu vides, c'est ça ? Tiens, je vais tourner là. Hop. On était où là du coup ? On était là dans la ferme, je crois. Ok, donc si on repère quelqu'un qui a aucune personnalité et qui est vide, eh ben c'est le mimique. Ah, attention, il y a une voiture là. Oula, il y a quelqu'un là, attendez. Qu'est-ce qu'il branle lui? Pourquoi il est tout seul? Police! Qu'est-ce que vous foutez là? Vous voulez vous faire bouffer ou quoi? Comment ça va? Votre voiture est... Ah, attendez, c'est peut-être lui, hein. Attendez, attendez. C'est peut-être le mimique. Votre voiture est cassée. Non, le moteur... Ah, le moteur est devenu trop chaud. Du coup, j'attends qu'il refroidisse avant de repartir. Ouais, bizarre, lui. De quoi avez-vous besoin, officier ? On a reporté une attaque de mimique autour de la zone... Est-ce que vous avez vu quelque chose? Yes? Oh! Attendez, il a vu un truc? Attendez, là c'est intéressant du coup. C'est moi? Quoi? Quoi? Attends, oui c'est moi il a dit. J'ai pas envie de poursuivre la conversation là. Trois petits points. On va se faire bouffer les creuses. Vraiment amusant. Vous savez que ce genre de blague peut vous amener en prison. Désolé officier, c'était une blague, une mauvaise blague. Ouais. Alors attends. Parce que c'est peut-être vrai, hein. Lui, on le retient. Ouais, lui, on le retient. Ok, il dit que c'est une mauvaise blague. Ok, ça va pour cette fois. Les creuses, je sais pas si vous avez capté, mais quand c'est écrit en jaune, c'est moi qui parle. Et quand c'est écrit en blanc, c'est... Bah, c'est eux. Je dois continuer mes recherches maintenant. Stay safe, officer, and good luck. Ok, bon. À part nous faire une mauvaise blague, on a rien appris, les creuses. Hein. Bon, et bah, très bien. Bizarre lui hein.
On repassera peut-être après sur cette route pour voir s'il est encore là ou pas. Putain, je conduis vraiment mal, hein. Ah, il y a une route, là. Je suis perdu, hein, d'ailleurs. Je suis totalement perdu. On va faire au feeling. Tu as ton permis, Toshi? Alors, dans le jeu, non. Je crois que ça se voit. Mais dans la vraie vie, oui. Putain, je suis perdu. Oh là, il y a encore quelqu'un, là. Attendez, il y a encore un mec, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, ça sent le mimique. Qu'est-ce qu'il branle, là, lui? Got any spare change, officer? Ça veut dire quoi, ça? Ah, je peux pas traduire, ça. Any spare change. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Un mimique? Oh, c'est mauvais, vraiment mauvais. J'entends des cris parfois. La nuit. Est-ce que vous voyez cette route? Oh, il a une tête, le gars! J'avais pas vu. Il fait peur, hein. Est-ce que vous voyez la route, là? Je crois que c'est une maison. Et les cris viennent de la maison? Tu devrais aller voir. Ah! La route là? Attendez. Alors, il y a une maison et il y a des cris qui viennent de la maison. Faut que je prenne cette route là. Let's go. Oh là, alors attention parce qu'on s'enfonce dans la forêt là. Putain, j'aime tellement ce genre de jeu. C'est fait avec peu de moyens. Mais j'aime tellement. On dirait un film. Tu conduis comme ça aussi? Non. Ah, attendez, je crois que je vois la maison. Ok, c'est là. Alors effectivement, il y a une maison. On va se garer là. La porte est ouverte. Hello? Police! Les mains en l'air! Oh, il y a quelqu'un qui crie. Oh, j'ai mon flingue! C'est le mimique? Ça vient de dehors. Ok. Attention, j'ai un flingue. Oh là là, ça sent le danger. Bon, les crosses, je me prépare à toute éventualité, hein. C'est quoi ce cri là? C'est pas humain ça? Putain, y'a un truc qui va me sauter à la gueule, je sens. C'est un piège? Non, mais c'est lui, c'est le mimique, c'est sûr. Faudrait que j'appelle mon collègue, mais. On n'entend plus rien. Si. Bon, j'essaie de suivre les cris. Ça se rapproche. Oh là là, c'est flippant comme bruit. C'est de plus en plus proche, hein. Horrible. Il est où, ce bâtard? Il est où? C'est quoi ce cri?
Il est où ? Décroche, j'ai peur. Je suis perdu en plus, je peux même pas retrouver mon chemin là. Oh non. You didn't survive the mimic encounter. Non, il m'a eu ? Je l'ai même pas vu. Non ! Oh non ! C'est la fin ! C'est flippant ces conneries. Il est où? Là, il va arriver. Il est où? Il est où? Oh putain, il est là! Oh putain! Oh, j'ai entendu ces bruits de pas, j'ai eu chaud. En vrai, j'ai eu de la chance, j'ai entendu ces bruits de pas. Ouh! Ok. J'ai pas trop vu, on aurait dit un humain. Mais sans peau. Genre un humain avec de la peau rouge. Ok. Et du coup, ça se finit aussi vite que quand on meurt. Bon. Ouais, donc vraiment, le but, c'est de tuer le mimique, quoi. Bah écoutez... c'était un petit jeu à la con, mais ça fait le taf.